Gérard Nouan, vous êtes le délégué à l'international de la CCI du Pays d'Arles. Vous êtes conseiller du commerce extérieur de la France. Vous avez présidé Procamex et vous êtes un chef d'entreprise qui a parcouru le monde entier. Alors, en 2007, vous avez, avec le slogan de Procamex, aller toujours plus loin, vous avez emmené qui et où? Alors, en 2007, nos actions ont été encore plus ambitieuses. Nous avons l'habitude chez Procamex de lancer des défis toujours plus importants. Nos actions reflètent parfaitement la volonté de Procamex, aux côtés de ses partenaires, de participer au développement des PME du pays d'Arles à l'international. Vous en avez été témoin en 2007. Nos actions ont été couronnées de succès. Par exemple, les réunions pays. Nous avons travaillé sur la Finlande, sur la Grande-Bretagne, sur le Japon, sur la Libye. Ensuite, les journées de formation au commerce international. Comment anticiper et gérer un conflit contractuel? Ensuite, 5 à 7 projets à l'export. Nous avons accompagné 6 primo-exportateurs et à l'issue de ce dispositif, 2 stagiaires ont été embauchés par les entreprises. Ensuite, la mission Finlande, la mission régionale Finlande. Nous avons accompagné 8 sociétés de la région et là aussi les résultats sont très satisfaisants. Nous avons signé plusieurs contrats de partenariat avec des sociétés de distribution finlandaises. Mission en Belgique, nous avons accompagné 7 sociétés du pays d'Arles en Belgique et là aussi la synergie a fonctionné parfaitement. Ensuite, nous avons le bureau Procamex Algérie où là nous avons des résultats concrets. Par exemple, la société Marius Brun et Fils a déjà exporté plus de 10 000 tonnes de riz en 2007 et la société Aqualux a trouvé un distributeur basé à Oran. En ce qui concerne le conseil et l'assistance, nos deux permanentes, Nadia El Koulali et Cécile Gerassi, coachées par Philippe Purdebourg, ont répondu à plus de 300 demandes de renseignements et d'assistance. Émilie Ferral, la nouvelle présidente de Procamex, Jean-Pierre Brun, le président de Procamex Algérie, et moi-même pour la CCI du Pays d'Arles, nous avons un seul principe: partager nos compétences et notre savoir-faire avec et pour les sociétés du Pays d'Arles pour conquérir de nouveaux marchés.